Vous souvenez-vous de l'histoire biblique de la femme qui souffrait depuis 12 ans d'un problème de santé débilitant? Elle fit preuve d'une grande foi au Sauveur, s'exclamant « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Cette femme fidèle et concentrée dut se dépasser pour avoir accès à son pouvoir. Son effort physique était symbolique de son effort spirituel. Nombre d'entre nous ont crié du fond du cœur une variante des paroles de cette femme. Si je pouvais me dépasser spirituellement suffisamment pour attirer le pouvoir du Sauveur dans ma vie, je saurais comment faire face à ma situation déchirante. Je saurais quoi faire et j'aurais le pouvoir de le faire. Lorsque vous tendrez la main pour bénéficier du pouvoir du Seigneur dans votre vie, avec la même intensité qu'une personne en train de se noyer cherche à reprendre son souffle, le pouvoir de Jésus-Christ sera votre. Lorsque le Sauveur saura que vous voulez véritablement tendre la main vers lui, lorsqu'il sentira que le désir le plus cher de votre cœur est d'attirer son pouvoir dans votre vie, le Saint-Esprit vous fera savoir exactement ce que vous devez faire. Lorsque vous vous dépasserez plus que jamais spirituellement, alors son pouvoir vous envahira.